est tout en cheveux, tout en dents et tout en formules bizarres. David Boring, bonsoir. Oye canalbicien et olé olé canalbicienne, c'est quand tout va bien qu'on se lâche façon pas de blême. J'espère que bonne fut cette semaine et qu'encore meilleure sera la prochaine. De suite au programme, une bonne rubrique musique avec de la remarque ô combien teintée d'insolite. Envolée planante et tour de planisphère, nappes épurées pour sans cesse cosmique, sans cesse réinventer l'unique, ben oui. Demain sort l'album de J.B. Dunkel intitulé H+, réflexion musicale sur la transhumanisation de la société. J.B. Dunkel, mathématicien et ancien prof de physique, est la moitié du duo R, pionnier de la French Touch à qui l'on doit ce hit planétaire. J'ai fait ça, ça me rend moins sexy, mais dans l'idée, c'est ça. Pourquoi ? Ne dites pas ça, ça vous rend très sexy. Nommés chevaliers des arts et des lettres pour leur musique, ils signent entre autres la BO du film Virgin Suicide. Bien sûr. Bien sûr. Pas bien sûr. Non, non. Pas bien sûr. Pas trop. Bah si, R oui, mais la femme d'argent, mais après, bon. Aujourd'hui, demain, J.B. Dunkel revient avec cet album solo, épique et minimaliste. Il a la cool, il est chill, mais en même temps, il critique la transhumanisation de la société. D'ailleurs, en parlant d'épique, avec mon groupe les Naïve New Beaters, nous avions croisé J.B. Dunkel, classe, accompagné de Charlotte Gainsbourg, encore plus classe, avec qui il enregistrait. Un ami en commun nous présente et au moment de se taper la bise, deux points, malaise. En effet, c'était juste après le tournage de notre clip Bang Bang. Clip qui consistait à me jeter le maximum d'objets à la tronche, le tout filmé dans le parking crado de mes parents. L'hygiène déplorable de ce tournage m'a fait choper la teigne. La chance. Non. La teigne, c'est une allergie du cuir chevelu, enfin une mycose en gros, qui peut survenir chez les moins de 12 ans, mais que j'ai chopé à l'âge adulte et sur la joue. Ça commence light comme un petit trou de cigarette et ensuite, ça devient comme un gros stigmate avec un maxi contour brûlé, mais laissant la peau au centre toute clean. Donc c'est hyper flippant. Quand on les a croisés, ça prenait quand même presque toute ma joue. Et du coup, ben, j'ai loupé la seule occasion de faire la bise à Charlotte Gainsbourg. Oh merde. Attends, mais comment ça s'est... Attends. Parce que bah, je sais parce que tu es en train. J'osais pas faire la bise. Et donc tu lui as dit, bah non. Et, en plus, c'était contagieux. Donc j'ai dit, ouais, ben, j'ai la teigne, je suis un gros dégueulasse. J'ai accusé le coup, du coup. D'accord. Mais en attendant, bon trade à vous. Et on comprend maintenant pourquoi vous avez les cheveux aussi. Long. Vous pouvez lancer la boîte à questions, s'il vous plaît. Oui. Elle est par là, là. Quelque part.